Salut! Est-ce que ça t'arrive d'être stressé? Est-ce que tu sais tout le temps pourquoi tu es stressé? Puis est-ce que c'est toi qui décides quand tu es stressé ou pas? Moi, mon nom, c'est Sébastien, puis je suis médecin. Puis à tous les jours, il y a du monde qui vient de me voir parce qu'ils vivent du stress ou de l'anxiété. Puis il y a de plus en plus d'enfants puis d'adolescents qui viennent me voir pour ces raisons-là. Puis au départ, c'est pas toujours évident que c'est ça qui est là. Beaucoup, beaucoup d'enfants puis d'adolescents qui viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes de maux de tête, de mal de ventre, de maux de dos, de peau sèche. Finalement, en grattant un peu puis en explorant ça, on se rend compte qu'il n'y a pas de problème physique, que c'est vraiment le stress qui a causé ça. Alors moi, à force de voir du monde stressé, je me suis posé la question, mais ça vient de où ce fameux stress-là? Puis pourquoi il augmente tout le temps depuis toutes ces années-là? Fait que si tu veux, ensemble, on va essayer d'expliquer de façon bien simple d'où vient le stress. Alors la première chose que tu dois déjà savoir, c'est que nous, on vient des singes. On a évolué à partir des singes. Puis les singes ont évolué à partir de d'autres animaux avant eux. En fait, l'évolution de l'être humain, c'est un peu comme l'évolution du téléphone intelligent. Tu sais, pour faire l'iPhone, ils ont commencé par faire l'iPhone 1. Après ça, ils ont pris des éléments du iPhone 1 pour faire l'iPhone 2, des éléments du iPhone 2 pour faire l'iPhone 3, et ainsi de suite jusqu'à la dernière version du iPhone qu'on connaît aujourd'hui. Alors, l'évolution de l'être humain, c'est exactement comme le iPhone, c'est-à-dire que nous autres, on a hérité de certaines choses de nos ancêtres, et puis il y a certaines de ces choses-là qui sont très utiles encore aujourd'hui, puis il y en a d'autres qui sont beaucoup moins utiles, puis ceux-là, on les appelle des vestiges. Par exemple, les poils qu'on a, les cheveux, ce sont des vestiges de la fourrure de nos ancêtres, les animaux. C'est plus tellement utile aujourd'hui parce que s'il fait froid, bien, on va avoir des vêtements pour s'habiller puis se protéger. Alors, il y a tout plein de vestiges comme ça qu'on a gardés. En fait, les vestiges, c'est un peu comme des applications intégrées dans les téléphones intelligents. Tu sais, quand tu achètes un téléphone intelligent, tu as des applications qui viennent avec le téléphone, puis tu ne peux pas les effacer. Bien, une de celles-là, par exemple, qu'on a, c'est l'application Respiration. Si on n'avait pas la respiration, eh bien, on ne vivrait pas tellement longtemps. Une autre application qu'on a comme ça aussi, c'est la circulation. Si ton cœur arrêtait de battre, la même chose, hein, tu ne vivrais pas tellement longtemps. Alors, il y en a plusieurs autres applications comme ça intégrées. Puis, il y en a une qui était bien utile dans le temps du iPhone 1, puis qu'aujourd'hui, un petit peu moins. Puis celle-là, elle s'appelle le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est une petite application qui avait été développée pour chercher le trouble partout, puis t'avertir des dangers. Alors, c'est la petite voix que tu entends constamment dans ta tête qui juge, puis qui anticipe toutes les affaires. Dans le temps du iPhone 1, c'était super utile, ça, parce qu'il y avait toutes sortes de dangers qui te guettaient. Par exemple, dans la forêt, tu pouvais tomber sur un loup ou entendre un bruit ou un grognement qui ressemblait à un loup. Et là, cette application-là, ben, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle t'envoyait une notification. Et là, toi, tu avais peur et tu faisais trois choses. Soit que tu te sauvais en courant, soit que tu te cachais, ou soit que tu te battais avec le loup pour survivre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a changé beaucoup les êtres humains, on ne vit plus dans la forêt, puis on ne voit plus grand loup, il n'y a plus grand-chose qui menace notre survie ou qui nous met en danger réellement. Mais la petite application cerveau de reptile, elle continue de chercher le trouble partout. Puis là, toi, tu as installé tout plein de nouvelles applications dans ton téléphone. Par exemple, une application pour apprendre, pour étudier, une autre application pour créer, pour inventer, pour dessiner, une autre application pour apprendre un sport, par exemple, une autre pour te faire des amis, puis une autre pour converser, pour placoter. Et là, l'affaire, c'est qu'à chaque fois que tu essaies d'utiliser ces nouvelles applications-là, ton application cerveau reptilien va t'envoyer des notifications. Par exemple, tu es en train d'étudier, elle pourrait t'envoyer une notification. À quoi ça te sert d'étudier? Tu réussiras jamais. Tu vas être en train de dessiner ou de créer quelque chose, elle va dire « Wesh, c'est donc bien laid ce que tu fais. » Tu vas être en train de parler avec un ami, puis elle va t'envoyer une notification. « Pourquoi tu lui as dit ça? Tu n'aurais jamais dû lui dire ça, il ne voudra plus jamais être ton ami. » Ou tu vas être en train de préparer une présentation orale pour demain, puis elle va t'envoyer une notification. Tout le monde va rire de toi. Alors, je suis sûr que tu reconnais des notifications que tu entends dans ta tête. C'est le genre de notification que notre application cerveau reptilien va nous envoyer à journée longue. Puis le problème, c'est qu'on n'est pas capable de s'empêcher de regarder la notification. Tu sais, quand tu reçois une notification à ton téléphone, tu n'es pas capable, tu entends le petit ding, puis il faut que tu ailles voir c'est quoi qui est arrivé ou c'est quoi qui se dit là-dessus. Et ça, encore une fois, pourquoi c'est comme ça? C'est à cause de l'évolution. Encore une histoire de petit singe. Quand tu étais un singe et que tu vivais dans la forêt, si tu sortais de la forêt et tu arrivais à l'orée d'une belle clairière, par exemple, et là, d'un côté, tu voyais une belle fleur qui avait l'air délicieuse, et de l'autre côté, tu voyais un mouvement dans les arbres, puis tu entendais un grognement qui pouvait ressembler à un loup. Alors, si ton attention,
avait été sélectionné pour être attiré par la fleur délicieuse en premier, puis que tu te dirigeais vers la fleur, qu'est-ce qui te serait arrivé à toi? Bien, probablement que tu te serais fait manger par le loup qui était potentiellement là. Alors, la nature a sélectionné que notre attention est spontanément attirée par les potentiels problèmes. C'est pour ça que dans les médias sociaux, les nouvelles, c'est toujours des affaires, des tragédies, des trucs problématiques, du trouble. Ça attire les clics, ça va faire qu'on va aller cliquer sur le lien. Les bonnes nouvelles, ça n'attire pas notre attention. Alors, ce qui se passe, c'est que chaque fois que tu essaies d'utiliser une autre de ces applications-là, puis que ton application de reptile t'envoie une notification, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir la notification, puis là, tu ouvres ton application de cerveau reptilien. Et là, tu peux perdre une demi-heure, une heure à regarder toutes les notifications. Oh, qu'est-ce qui va arriver si telle affaire? Qu'est-ce que je vais faire? Oh non, lui, il a dit telle chose. Comment ça se fait? Et là, qu'est-ce qui arrive quand on utilise une application longtemps ou qu'on a beaucoup de notifications? La batterie vient à plat. Alors toi, tu vas manquer d'énergie, tu vas devenir complètement à plat. Puis là, tu n'auras plus d'énergie après ça pour faire ce que tu voulais faire au départ, c'est-à-dire soit étudier, être placoté, te faire des amis ou faire du sport. À force d'avoir autant de notifications à chaque fois que tu utilises une de ces applications-là, tu finis par te dire, coudonc, mon téléphone, il est-tu brisé? Est-ce que je suis normal? Ben oui, tu es complètement normal. Puis ton téléphone, il fonctionne à merveille. Le seul problème, c'est que tu as une vieille application intégrée qui s'appelle le cerveau reptilien que tu ne peux pas effacer puis qui t'envoie des notifications à journée longue pour tout puis pour rien. Il cherche le trouble tout le temps, partout. Alors, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Bien, la première chose que tu peux faire, c'est de te souvenir que c'est ça la réalité. Tu n'es pas brisé, ton téléphone fonctionne, tu as juste une vieille application. Donc, si tu envoies une notification et que tu es en train d'utiliser une autre application comme étudier, par exemple, tu peux regarder la notification, tu n'as pas le choix, de toute façon, ton attention va être attirée. Mais tu peux regarder s'il y a un réel danger à côté de toi pour vrai maintenant, qui menace ta survie. Si la réponse c'est non, bien, tu fais comme tu fais avec tes notifications sur ton téléphone, tu swipes et tu reviens à l'application que tu utilisais. Sinon, l'autre chose que tu peux faire, c'est utiliser l'autre application intégrée qu'on a qui s'appelle l'application Respiration. La respiration est toujours là. Tu inspires à tout moment puis tu expires. C'est ce qui te tient en vie. Pendant que tu es réveillé, pendant que tu dors. Alors, si tu portes ton attention sur ton application respiration, tu vas voir que ta respiration va te calmer naturellement. Et là, tu devines ce qui va se passer. Après 2-3 respirations, qu'est-ce qui va se passer? Ton application cerveau reptilien va t'envoyer une ou plusieurs notifications et là, tu ne pourras pas t'empêcher d'aller voir. Alors, tu regardes encore une fois, y a-tu un réel danger? Y a-tu un loup à côté de moi? Si la réponse est non, tu swipes les notifications et tu reviens à ton application respiration. T'entraîner à faire ça, tu vas voir que tu vas te sentir beaucoup plus calme, beaucoup plus relax facilement. Si jamais tu reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de notifications, puis ça devient très lourd, puis tu te sens submergé, c'est super important que tu en parles à quelqu'un ou que tu consultes. Il ne faut pas que tu restes avec ça, ça c'est bien, bien important. Donc, pour conclure, ton téléphone n'est pas brisé, il fonctionne à merveille, tu es complètement normal si tu te sens stressé. Tu as juste une vieille application intégrée que tu ne peux pas effacer qui t'envoie toutes sortes de notifications. Si tu reçois des notifications beaucoup comme ça, alors la première chose à te poser comme question quand tu utilises une autre application, c'est de te dire, est-ce qu'il y a un réel danger? Y a-t-il un loup à côté de moi? Si la réponse est non, tu swipes et tu reviens à l'application que tu utilisais. Par exemple, si tu es en train de parler avec ton ami et puis que tu dis quelque chose puis tu reçois la notification, pourquoi tu as dit ça? Tu n'aurais pas dû lui dire ça. Tu regardes la notification, tu swipes et là tu regardes, est-ce que tu demandes à ton ami, peut-être ça peut être approprié de lui demander, est-ce que ce que je t'ai dit, ça t'a blessé? S'il te dit non, mais là tu reviens à ton application conversation. Donc, l'autre chose que tu peux faire, c'est que porte ton attention sur ton application respiration. Elle est toujours là pour toi et elle va te calmer de façon automatique. Une application réelle qui existe pour les téléphones, la plupart des téléphones et des tablettes, c'est RespiRelax. Tu peux l'installer sur ta tablette ou ton téléphone. Elle est compatible avec à peu près toutes les plateformes puis elle est gratuite. Puis c'est une application qui est vraiment faite pour mettre ton attention sur ta respiration. Moi, je l'utilise puis ça m'aide beaucoup à me calmer. Alors, j'espère qu'avec ma petite capsule, tu comprends mieux maintenant d'où vient le stress et puis que tu comprends que ce n'est pas toi qui décides quand tu es stressé, c'est ta belle vieille application cerveau de reptile. Alors, j'espère que ça t'a plu. Puis moi, je te souhaite une journée avec pas trop de notifications. Oh, hey, excuse-moi, il faut que j'y aille, mon cerveau reptilien m'appelle. Bye!